On va rentrer dans le vif du sujet. Tous les deux, les gars, on a acheté une Bravo Case qui coûte 40 euros. Pas maintenant, tu vas l'ouvrir maintenant pour inaugurer le stream. Allez, allez. Allez, j'arrive. Comme ça, on se met dedans là. J'arrive. La caisse coûte combien? 40 40 euros, ouais. 3, 2, 1. Oh, la K47, feuille en serpent. Le KK47 là. Putain. Ah là, 80 euros. Directement, 80 euros. Ah, bien. Allez, c'est parti là. On s'envoie en l'air. Ouais, c'est pas ultra fluide, mais vas-y, c'est. Oh, oh, ça vaut au moins 40 centimes ça. Donc mon écran est en bas et celui de Bidule est en haut. Ouh. Ah oui, une prédiction. Ou alors qui va gagner. Une petite prédiction. Moi je te dis, ma prédiction personnelle c'est deux couteaux. Et je pense que c'est une personne qui va avoir deux couteaux. Ok. Et quelqu'un n'aura rien. Résultat de l'opening. Putain, j'ai pas le bras là. Un couteau. Oh, 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 c'est des gants. Non. Monsieur, monsieur, Val, non, c'est trop, déjà. Je suis en train de faire la prédiction. On est ouvert, 1, 2, 3, 4, ils valent combien? Ils valent quoi, 400, 400? Ah, les gants, c'est pas mal, non? Oh là là, faut que je clique sur highlight, hop là. Oh, attention, ça va peut-être être une dinguerie. Oh, mec. Non, 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 24 mai, non. 913, non. 8 juin 1250. Putain, mais c'est trop. Voilà. Ça y est, t'es remboursé, voilà, c'est fini. C'est bon, et voilà. Sixième caisse. Voilà. Putain, juste avant le sondage. Il y a que lui, il y a que lui pour avoir des trucs comme ça. 718 sur Buff. C'est quoi Buff? Buff, c'est un, c'est le plus gros marché actuellement. Et c'est, ah, là, ouais, où il y a le plus d'offres de skins. Donc tu utilises? J'ai essayé un peu. Ça part vite en vrai. Ça part moins cher, mais ça part vite. C'est incroyable. En plus, tu drops que des gants à 1000 balles. Hein. 1200. Il y en a plein des gants à 100, 200, 300 balles. Non, il faut drop des gants à 1000 balles. Oh, t'es mal flotte. T'es mal flotte de la Desolate Space. C'est une Desolate Space Black Scope là. Le PC il est en train de décoller à tout moment, il pète entre les mains là. Moi j'ai fini mes 20 gamma et j'ai eu un seul rose, une M4 Desolate Space Black Scope. Black Scope. Je vais taper un peu de Phoenix, hein. Y'a quoi dans la Phoenix? Oh mais y'a l'Azimov dans la Phoenix. Ouais. Ah, si on pouvait se drop une Black Scope là, ce serait légendaire. Bah les gars, pour 1000€ de caisse chacun, on estime que ça peut prendre entre 1h30 et 2h. Après ça dépend si jamais on utilise la stratégie pour accélérer l'opening. Ah, la stratégie d'hier. Pour l'instant on est chill, mais au bout d'un moment je pense qu'on va commencer à tilter. Ouais. Ah ouais. Putain. Bizarre, pas moi. Il est, oh, il bien est beau. Ce mec 7, hein. Il a un bon float. Ah, mais attends, ouh, 003. Il y a une plume en plus ici, c'est un float rare, je crois. Ah ouais, l'aile là, ça lui rajoute un peu de valeur. Ouais. Ouais. Tu sais, quand j'ai fait un opening avec William, je lui ai inventé des floats sur tous les skins, il me croyait à chaque fois. Et le Bowie, ça vaut pas cher. Hein. Les Bowie. Et pas David. C'est moyen, moyen. Ah, oh, j'ai la ref. Ça va, Bowie? Bon, c'était ta vanne. Hein. Ah, 2014, il y a des chances qu'il y ait des bails de Katowice. Ah, mais moi aussi sur mes smurfs, je vais avoir plein de caisses. Hein. Ah, mais en plus, j'en avais envoyé. Mais des stickers aussi, hein. Moi, sur, oh, un, ouais, smurf, j'ai trouvé des stickers titan et tout, mais. Des stickers à 100 balles, quoi. Breakout. Ouh. 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 Ouh, Statrack, moi. Ouh, Statrack Factorino, la Negev, hein. Ouh. Ça vaut au moins 30 centimes, ça. Ouh. 96 centimes, c'est bien. Moins que le prix de la caisse, quoi. On part sur Broken Fang, du coup, on a la Print Stream qui vaut 100 balles minimum, je pense. Je sais plus. Oh, y'a que des gants dans la Broken Fang. Intéressant ça. Hein. Une bonne. Le rouge est bien. Y'a les gants. Elle coûte combien? Elle est assez récente, du coup, je crois qu'elle coûtait 1,20€, un truc comme ça. Là, t'as un truc. Oh, AWP exosquelette. Oh. Oh, le pattern. Aucun rouge pour l'instant, les deux côtés. Hein. C'est désastreux. Mais oui, Momzito, c'est pour ça que je suis venu à Malte. Moi, c'est pour les caisses. Pour les... Bah ouais. C'est pour le rôle. Pareil. Hein. Ah bah ouais, toi aussi, tu l'avais dit. Bah ouais. Les impôts, les impôts pour quoi faire? Non, non, ça nous intéresse pas. Vraiment. Non. De toute façon, tous nos rentrées d'argent, on les met sur Steam. Donc, oh, la P90 SM, c'est pas vraiment. Tout part pour Valve. Hein. Voilà. C'est à eux de déclarer. Mais n'ouvrez pas ces caisses. Hein. On rappelle, les caisses Valve, c'est en termes de probabilité. Ils avaient leak d'ailleurs quand ils avaient mis les caisses sur le marché chinois. C'est un couteau toutes les 400 caisses en moyenne. Ouais, ouais. En sachant que la caisse plus la clé, ça coûte environ 3€, c'est-à-dire que tu vas dépenser environ, on va dire, 900 000€ en moyenne pour avoir un couteau. 900 000. Qui a quand même, entre 900 000, ah oui, oui, qui a quand même ce couteau, très très peu de chance de valoir 1000€. Hein. En plus, quand tu dis 900 ou 1000€, ça dépend de la caisse. Ouais, ça dépend de la caisse. Parce que non, bâtard, non. C'est si oh, les chiens. Pour ce stream exceptionnel, je vous propose un jeune giveaway. Celui-ci, là. Celui-là? Ouais. Celui-là, peut-être. Oh! Non, rien. Non, il casse. Putain, j'ai mal au bras là. Ah, oh, ça me gratte. Chaque fois qu'on fait des openings, le meilleur truc que j'ai, c'était un Huntsman ultraviolet. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a mis 1000 balles de caisse chacun. Et moi, la 6ème caisse, j'ai une paire de gants qui vaut 1000€. Du coup, je suis en profit, 1002 même.
Je suis déjà en profit. C'est grave. Bon, après, j'ai rien vu. Et on a déjà ouvert la Bravo. Mais après, peut-être qu'on va en racheter une. À tout moment. Attends, mais je vais mettre la... les gants en vente. À tout moment quoi? À tout moment, il y a une souvenir, t'allais dire? Non, mais je vais mettre les gants en vente. Si ça se trouve, d'ici la fin du stream, ça va les acheter. Comme ça, je vais pouvoir mettre 1200 balles dans les caisses Bravo. Ah! Moi, je vais continuer sur les Phoenix, hein, à l'ancienne, les gars. Histoire d'avoir une petite Asimov, ce serait cool. Une Asimov, Black Scope, ce serait cool. Non, mais c'est bien quand il y en a un qui se repose, l'autre il continue d'ouvrir des caisses, ça fait une petite tournante. Comme avec la Daron Hagrid. Une fois t'as dit putain, j'ai envie d'un Classic Knife. En plein unboxing, ah oui, il est tombé. Il est tombé. Direct. Et il y a un clip. Sur la chaîne, il y a un clip qui s'appelle Bidule appelle le Knife et. En plus, c'était un Classic Knife Fade qui valait genre 800 balles et j'avais re-unbox juste derrière le même. J'ai jamais été très chanceux dans les ouvertures de caisses, à part les deux dernières années. Dès que j'en ouvre, j'ai toujours des trucs sympas. Genre là, bah, deux jours de suite, deux gants à 1000 balles. Alors qu'avant... Oh, stop. Oh, Star Trek. Ah, vas-y. Oh, quelle qualité? 0,17. Minimal loi, non? Ouais, loi, je crois. Ou Filterstead. C'est quoi, c'est ce son? Pourquoi il y a une son de cloche? Parce que c'est dehors. Parce qu'on est à côté de l'église. Tu sais que le dimanche, il y a ça à 8h. Dans la Rocknard Corp, nous avons remarqué que vous étiez 843% à ne pas être abonné. Alors il serait temps de s'abonner, ou quoi? Ensuite, vous avez dans la description un lien qui vous ramènera vers tous mes réseaux, ainsi que live où il est fortement conseillé de cliquer. Bonne vidéo. Allez là, Wapazimov, putain. 15-20. Oh, deux fois d'affilée. Théma, c'est quoi les probas d'avoir ça deux fois d'affilée, putain? Ils ont mes gants. Ah, mais je les ai mis. Ah, ils sont vendus? Non. Oh, s'ils sont vendus, 1200 balles, quelqu'un l'a acheté. Quelqu'un l'a acheté. Putain, mais ça va si vite. Et bah voilà. Tout à l'heure j'avais 1030€. Du coup là j'ai 1200. Et j'ai déjà toutes les caisses. Et merci la zone 51. Bon après Steam a bouffé 15%, du coup j'ai dû prendre 1050. Il les a vendus sur Steam pour pouvoir racheter des caisses, hein. Il les a... Je les ai vendus sur Steam, ouais. Ouais. C'est ouais. La seule bonne raison de vendre sur Steam. Bah, acheter pour acheter des caisses après. Ça fait putain, mais 10. Même hier, j'ai mis mon gant à 1200€, il est parti, hein. Oh, Star Trek. Oh, Star Trek. 0,40, fil testé. 7€. C'est pas possible. Comment ça, 7€? 7€, Star Trek. Un petit couteau papillon dans une breakout à l'ancienne. Oh. Ouh. J'ai eu la Desolate Space aussi. Ah, tu veux dire en stream conjoint? Sur la même image. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non. Ouais, si tu mets plus que 4, ça va être bordel. Si tu... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Enfin! Wow, c'est bien ça! C'est bien, c'est bien! C'est bien! Combien? C'est Minimalware, non? 0,15. Oh, c'est la limite! 0,14 Minimalware! Putain! 500€, moi! J'ai envie de chier partout! C'est bien, c'est bien, c'est bien! C'est bien, c'est bien! C'est bien, c'est bien! Ouais, c'est bien! C'est bien! Deux d'affilée, peut-être? Oh! Attends, le sondage, du coup, faut. Ouais, la prédiction est terminée, ouais! Un partout! Putain, let's go! Attention! Ah, pas aujourd'hui! Putain, j'ai déjà vu ces vidéos de mecs qui en ouvrent deux d'affilée là. Putain, vas-y, mon écran est tellement saccadé que quand je regarde le tien, j'ai l'impression que je passe en 240 Hz. Ah, genre, cet ordi, sur ma vision. Je l'ai acheté 1500 balles et il a trop de mal avec le gaming, cet ordi. Ouais. Oh, Saphir? Ouais, c'est un 20 Hz. Hein. Et Saphir, mon Tech9, non? Oh. Ok, c'est bon. Mais je trouve qu'il y a des patterns. Ouais, je trouve qu'il y a des patterns pour les freehand aussi. Oh, il y a un H. Comme. Des freehand. Huissier. H. Un H. Ah oui, comme le frérot comme H. Hibou. Voilà. Attends, mais il a écrit une phrase en vrai. Le H. Il a une belle jeunesse. C'était pas... Oh. Okay, résume maintenant, caisse Bravo, je regarde ça. Là, 40 balles la caisse avec la Carfire Serpent dedans qui... Elle vaut combien minimum celle-là? Oh, il dit sa mère, mais je pense au minimum 500 balles, non? Moi, ouais, minimum. Moi, minimum 8, minimum 800, je pense. Hein. Ah ouais. Star Trek Field Tested, je l'ai vu hier, elle était à 1600 sur Alkaïs. Quoi? Après peut-être je me trompe. Ah ouais. Hein. Usé 675€, ah ouais. Il y a 40 balles la caisse. Ok. C'est... Ah, allez. Mesdames et mesdames, allez. Bonne chance. Allez. À surtout à moi. Ah la P90, oh, bleu. Non, c'est bien ça, hein. Je dirais qu'elle vaut 20 balles, hein. Ah ouais. Bah quand même. Oh. Putain. Ah ouais. Là c'est une M4A1. Ouais, la M4A1, ça c'est un truc que ça vaut. Ça, ça vaut cher. La dragon aussi. Ouais, les trois roses ils valent cher, ouais. Tu savais qu'il y avait des gens qui craftaient les skins? En mode ils récupèrent les flottes les plus bas. Ouais. Et ils font des contrats pour essayer d'avoir le top 1 flotte. Oh les bâtards. Oh, dommage. Imagine la casta de track là. Je t'embrasse. Ok. Ouais, ils sont lourds, hein. Ouh. La petite poignée un peu boisée, ah ouais, là, moi j'aime bien là. C'est bien, ça fait traditionnel, ça fait... Ah mais il y a le point rouge là, c'est un pattern ça, non? Ouais. Normalement il y a un point rouge sur deux là. Voilà, c'est ça.
Quand t'as, quand t'as les deux, c'est bien. Ouais. Moins 45. Putain, on aurait dû faire le stream avec William où il aurait inventé plein de trucs. Ah, oh, les bâtards. Et la MK. Oh, le pattern. Oh. Bon, allez, au moins un rose ou même un violet, je sais pas. Ou... Oh, les bâtards. Ah, les chiens. Oh là là, c'est dur ça. Hein. Putain. Elle vaut combien minimum, 700 balles, ça? Ouais. Pour une caisse à 40€, il vaut mieux que ça vaille 700 balles, ouais. Ultimate, c'est tellement chill, t'es là, t'es posé. Putain, bah une lunette Doppler, ça se vend bien. Oh! Oh, c'est bien! Ah ouais? C'est au moins 10 balles. Accéder au scanner. Oh non! 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 Oh, dommage! C'est vraiment de la merde, le scanner. J'attendais. Oh! Elle est pas mal ça! Attendez devant rien. Le stream il doit être bizarre parce que nous on regarde. Pour eux on regarde en bas à gauche de l'écran. Sauf que ça se passe en haut à droite. Ouh! J'avais pas celle-là. Dire que j'ai eu les gants avec ça. Y'a le pattern ou pas? Pattern des points rouges y'a pas? Ouh! Oh, y'a les deux points rouges. Oh! C'est quoi 3-400 ça? 3-400€ je pense. Ça a pris. Le splash il est stylé celui-ci. Attends, mais le design là. Quoi? Il se fout de la gueule de qui? Il s'est même pas centré? Et en plus, il y a les contours du PNG. Ah ouais, c'est très grave. Ouais, le graphiste, il a torché ça. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première fois que tu fais scanner ? Ouais. Non, je l'avais déjà fait une fois, je crois. C'est vraiment de la merde. Pour scanner la suivante. Oh ! Oh ! Bravo ! Dans une bravo ! Ouais ! Bah, passe la track, mais ça vaut combien, graphite ? Au moins 100 balles. Ah ça, ouais ? Ça dépend l'état. Allez, 9. Oh, oh 169 oh, seulement. Ça fait 4 caisses. Les amis, on rappelle. Donc là, il y a un item qui va être choisi pour être upgrade. Si c'est la map graphite qui a une chance sur 10 d'être choisie, il y a que 50% de chance derrière que ce soit une AK Fire Serpent et 50%. Donc il y a 5% de chance que ça passe. Ouais, voilà. Et en plus, ce sera peut-être pas un bon état parce que. Aïe, sa mère! Ah, normal. Ah, ouais. Oh, ça aurait été incroyable de toute façon la faire serpent. On aurait hurlé. Il reste plus que ça. Bon les gars, sur 2000€ de caisse, bon on n'a pas pu ouvrir exactement 2000€ à cause des limitations. On a ouvert des très grosses caisses qui a raccourci la durée théorique du stream, mais c'est pas plus mal parce que... Ouais, on avait pas prévu ça pour le coup. Hein. Ouais, non. Mais bon. Moi je pensais qu'en étant à Malte, on avait illimité. Ouais, on a eu un item chacun, c'est cool. Et même toi, t'as eu une belle baïonnette. Hein. Ouais, juste belle, ouais. Mais c'était cool, on s'est bien amusé. C'était marrant, et on refera ça quand tu veux, week-end prochain. Merci les BG. Et ouais. Encore des gants, ouais. C'était lourd. Dommage, à la fin, on a eu quelques petits problèmes techniques. Et voilà, ça vous a plu en tout cas?